sommes le lundi 7 septembre. J'espère que vous allez bien. On va reprendre maintenant les activités de la semaine. Donc, ça va être le deuxième jour de la semaine. Votre activité, c'est d'écrire le mot octave. Donc, nous avons lu l'album de Octave. Donc là, on va exploiter cet album. Donc vous allez écrire Octave. Vous avez besoin, les enfants, d'une paire de ciseaux, d'une colle, des crayons de couleur et un petit bol. D'accord? Donc ce que vous allez faire d'abord, les parents, s'il vous plaît, vous pouvez nous aider. Vous allez écrire le prénom de votre enfant et la date. D'accord? Donc, vous allez découper les lettres qui sont au-dessous de octave. Vous allez les mélanger, les mettre dans le bol, les mélanger. Et vous allez commencer à écrire le mot octave. On commence toujours de gauche à droite. Celui-là, c'est octave. Donc, on va commencer, les enfants. Donc, on va chercher d'abord la première lettre. On va la coller. C'est quelle lettre, les enfants? Vous vous rappelez? Très bien, bravo. C'est la lettre O. On va chercher la deuxième lettre. La lettre... Bravo! La lettre C. Et on va la coller. Vous allez la coller. La lettre T. Bravo les enfants, vous êtes des champions. La lettre A. Très bien. Après, c'est la lettre V. Excellent. Et la lettre E. Bravo les enfants. Quand vous allez terminer, vous allez colorier un octave. Vous avez besoin de trois couleurs. Le vert, le jaune et le marron. Donc, regardez ce qu'on obtient. Le octave avec le marron, jaune et vert. Donc, ça, c'est le travail final que vous allez avoir avec le mot octave écrit en dessous de octave. Très bien, les enfants, vous avez bien compris? Donc, quand vous terminez, vous le rangez dans vos classeurs. Si vous voulez prendre une petite photo et nous l'envoyer sur WhatsApp, ça nous fera plaisir. Donc, au revoir les enfants et à